Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine Hugo. Et là on va sur le nouveau single de Medine, Grand Paris, featuring l'artiste Sofia Nino, Seth Gecko, Youssoupha, Lino et Alivor. Waouh, alors tous beaux mots donc sur un son donc, qui sort sur l'album de Medine qui s'appelle Rose Elite. Rose Elite, voilà. Donc le son réunit un petit peu les grosses têtes du rap français. Mais du coup, moi ce genre de son, c'est des posy cuts, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le feu. C'est des sons de groupe, donc ouais. ça va kicker. Ah, 7 minutes 20. Moi je m'attends à de la violence là. Ouais. Et ça me fait. Enfin, je vais dire à la fin ça plutôt. Ok. Par référence. Mais, ouais, à la fin. Ça, ouais. Du coup, il y aura aussi un clip qui sortira. Ils ont mis des vidéos du tournage. Tu sais. J'espère que le clip sera aussi hard si le son l'est. Donc, on y va pour la première écoute de Medine Grand Paris featuring plein de monde. Let's fucking go. Comme un gun, un homme, et il braquera une bombe, dans une banque, un homme, et il braquera le monde. J'fais crier la bombe sous les murs bâtiments en attendant qu'à Akiakos. Et que le cœur d'un grand homme sale, Paris donne son nom à une affaire. Moi je suis contre le boulevard dans la culette, sans baptisé pour la rivière. Sans si tu prends Paris sans être parisien, c'est le genre de place pour les académiciens. J'fais du feu pour les cochons végétariens. On va te laisser mettre un petit frère à tout ça. Les moyens de Paris sur le dos d'un city, si c'est le cas, c'est du sucre sur le dos des cyniques. Mais on a le folgo, le caramelis. C'est qui remonte à 13, c'est qui remonte à 6. C'est ma vie, je mon but, je calcule pas les racistes. Tellement fier de projet sur l'album de Medine. La banlieue influence Panam, Panam influence le monde. Le 9-3 influence Panam, Panam influence le monde. Le Maghreb influence Panam, Panam influence le monde. Oui, l'Afrique influence Panam, Panam influence le monde. On peut mettre sur la A3-6. Trop de trafic coincé dans les bouchons. Je rappe le box et vitré comme un raciste. La rage dans les yeux, la drogue dans les pochons. Y'a les femmes qu'on aime. Mais ça voit, elle a dit déjà. C'est putain, ça cherche plus aux potions. Y'a les sorts, c'est un rappeur à la tige. Sur le macadam, j'éteins ma vie sur un gros son. La vie sur un gros son. C'est ce qui me fait partout, je ris pas avec les gens. Je mets pas, j'attends pas la potion. Si c'est la guerre, ça bouge. Je suis des frères sans bruit comme des grappes de souche. Suffit d'un geste d'un mot pour qu'un gaffe te douche. Pour qu'un rafle se touche. D'asseoir moyen sur la camp d'Afrique pour plus qu'elle arrache les ivoires. Oh la pêche! Paris est propre, on fait du sol. Elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne? La contente son zèle, viens du bord du hein. Jusqu'à la mort, si tu prends le zard. Remplis mes poches, je suis qui mon sac. On sait où tous les chemins mènent. Prends mal en pierre dans la gueule! Une étrange histoire, c'est un transistor. Je dois franciscoir. Coco là, la nature se penche, calcula. Ramène ta femme, je vais te montrer comment on fait calcula. Avant y'avait 36 cascula. Aujourd'hui les femmes sont pires Dracula. Elles vont sucer le sang, même au gouvernail. Parce qu'elle n'a pas l'âme, je tiens le goût. Oh le geek, c'est trop chaud, gros. Je respire non. C'est geek, c'est vrai, c'est trop punchline ce type. Ouais, c'est reparti. Ouais. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce son. Il y a Mignon, nous l'a demandé. Ouais, ben Mignon, ouais, t'es là, frère. Oh là, Mignon. Cassez pas les couilles. La banlieue influence Panam, Panam influence le monde. La banlieue influence. Oh, le pont là, c'est trop le feu ça. Là, je tourne. Ça fume la gueule d'Ajax. Ce bitume à Mignon. Putain, c'est trop le feu. Pas la sache et toi, le bal, si tu veux le rallye. Influence Paris, Paris s'influence Hilton. 7-7, ça remonte à 1000 tonnes. Au tribunal, y'a comme un air Boston. L'archétal, mes frères tombent comme des châtaignes. Cristal, Champs-Élysées, Champagne. Promoteur pour marquer les chicken. Rêver d'être connu comme Gouya Chantal. Si la chienne, il faut des grosses tables. Fils unique, on vient, on s'installe. Et bling bling, on est équipé discret. Va me faire en. Pas la vitesse, moi je calcule la durée, pas la vitesse. Reprenez-moi le micro, j'ai tu passes un pas. Je suis déjà haut, mais je passe un cas. J'ai tellement d'avance sur les rappeurs de France. Tu veux déjà se coupler dans le place. Oh, stop, non, stop, 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 stop. Putain, c'est quoi ce son? Oh mon dieu. Bon, arrête.
arrêter tout. C'est quoi que ça serait? Ah, il souffle pas, oh, c'est trop. Il y a trop de line. Il y a trop de plumes là. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je bouge et je cours et la troupe se retrouve à mes trousses dans la foule. C'est un mouvement de panique. Bla bla bla. Pour j'acter d'ailleurs, j'ai pas capté vos bla bla bla. Je vais pas vous mentir, si je reprends mon empire, je vais jamais ralentir et ça pourrait même empirer. C'est nous, c'est fini. C'est fini. Instant classique. Sans blader. Sans blader. Sans blader. Oh putain de bordel de merde. Incroyable. Oh putain de bordel de chaîne de merde. Oh la vache. Bon, déjà, je pense que... Oups. Arnaud, je sais pas quoi dire là, je sais pas comment c'est bon. Non. Tous, ils ont fait le taf. Non, pas tous. Pas tous. Bah, je suis désolé, mais pas tous. L'artiste, il est en dessous de dingue. Genre, c'est un son, il est pas fait pour lui. Il était pas fait pour lui, ce son. Genre, c'est comme Hamza, Non, ne parle pas d'Hamza. Mais non, mais y a, c'est trop... C'est des gens, ils sont là pour faire des sons doux. Ils s'imposent pas sur des instrus vénères comme ça, tu vois. Okay, c'est oui. Dans ce sens-là. Oui. C'est pas fait pour lui. Continue ton argumentation. Genre, c'est comme... on a fait Joker juste avant. Et Joker, ça passe pas là-dessus. Oui, bah faut, voilà, faut être lucide dans la vie. C'est chaque chose aura sa place. Donc, et non, mais sinon, à part ça, mais les couplets, mais c'est un truc de dingue. Si, au début, je t'avais dit, on va faire un classement, mais je sais plus. Ah oui, bah, c'est trop tout dur. Ce que je sais, c'est que vraiment, Sofiane, c'est Wazank. Genre, franchement, là, on attend l'album studio, tu vois. Genre, là, vu qu'il a signé. Parce que ça peut être MVP 2017 en France. Franchement, ça peut être MVP 2017. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'album Je suis passé chez So? Malgré le fait qu'on ait écouté vraiment beaucoup de sons qui sont dessus. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ou pas? Voilà. Dites-le nous. Par contre, c'est pas la peine de après dire oui Hugo, mais bon, ça se fait pas parce que Nekfeu avait déjà écouté alors qu'il l'avait déjà dit. Donc, Sofiane, Je suis passé chez So a déjà été écouté dans... Pas tout l'album, non. Pas la totalité. Mais... Beaucoup de sons ont déjà été écoutés. Est-ce que vous voulez quand même qu'on le fasse pour qu'on s'en jaille dessus devant la caméra? A vous de nous le dire, mais ça sera pas vraiment une première écoute. Ouais. En dehors de ça, c'est un truc de dingue. Medine, il commence le son, c'est le feu. Et en plus, genre chacun a amené sa propre patte d'écriture, tu vois. Medine, c'est plus engagé. Sofiane, il est vraiment dans le hardcore. Seth Gecko, c'est professeur punchline. Vraiment, d'ailleurs, shout out à lui avec qui on a vu quelques petits échanges sur Twitter. C'était vraiment cool parce que Seth Gecko, c'est vraiment un rappeur que j'apprécie de dingue. Et putain, le charisme de la voix de Nino, de Lino, c'est trop frère. Moi, déjà, à chaque fois que j'entends sa voix, parce que tu sais, tu te souviens le jugement. Ouais. Pour moi, il a une des, je pense, top 5. Des meilleures entrées de couplets dans l'histoire du rap. Il débarque, ce putain de quartier n'a plus d'âme. Non mais attends, je vais la remettre. Non mais juste. Parce que pendant tout le son, tu sais, le son il est long, c'est un storytelling et tout. L'offense, monsieur McGregor, mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de quartier a plus d'âme. Sans tout ça teint, ça fut le drame. Je passe trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. De cul de concierge. C'est vraiment voisin. Comment il débarque. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas. Il arrive, il calme tout le monde. Faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de quartier a plus d'âme. Oh shit. Top 5 des meilleures entrées dans un couplet, dans un son, tu vois. Non mais voilà quoi, tu vois. Et non mais sinon, pour revenir sur Grand Paris, un son de Posse énorme. Ils ont tous deliver. Et c'est ça qui est dingue, c'est parce que quand tu sais, quand t'es un artiste et que tu sais qu'il va y avoir énormément de monde avec du talent, tu te dépasses, tu vois. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a une grosse compétition, une compétition saine. Et le son est vraiment... Mais... C'est une déflagration, c'est incroyable. L'instru elle est méga lourde en plus. T'as limite envie de poser ton couplet, frère. Oui, est-ce que vous voulez qu'on pose un sexe? Est-ce que vous voulez? Dites-le nous maintenant. Dites-le nous. Oh putain. Et ouais, c'est une boucherie totale. Franchement, ça fait plaisir d'entendre un positif. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des sons comme ça. Et si tu te souviens, on en parlait
dans le son Agartha, dans LDS, on disait que ça serait un bien qu'il a du 9-3, ouais, un remix du 9-3, tu vois. Et vu qu'ils avaient fait le Planet Rap avec Sofiane et Kalashnikov. Et ça, ça fait longtemps parce que avant, je me souviens à l'époque où il y avait les mixtapes All Star, ou quand il y avait les gros collectifs et tout, il y avait énormément de sons Posse, tu vois. Et ça, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Des sons comme ça où c'est pas ton groupe, mais t'amènes plein de MC que t'apprécies et ça kick, tu vois. Ouais, et du coup, pour revenir. Ouais, là, il est déchaîné, mais faut que je le laisse. Non, mais en vrai, t'as tout dit, tu vois. Après, c'est vrai que moi, ce son-là, bah, ça me rappelle l'époque où je saignais Sniper, tu vois, Panama All Star, mec. Bah, c'est ça, c'était incroyable. Tout le monde représentait son quartier. Là, c'est pareil. Tous les départements sont là. Franchement, c'est ultra le feu. Sofiane, il a mordu ça comme jamais. Nino, il était bon, hein. Franchement, ah, Nino, il m'a enjaillé. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des Bills, c'est les gens? Pas de Bills. Ouais, c'est bon, frère. Et du coup, ouais, Youssoupha, il pose en mode ton. Eh, franchement, j'ai été surpris de la perf de Youssoupha. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chaud. Avec la punchline sur Placenta, bon, ça y est, c'est bon, c'est frère. Donc, incroyable, franchement, j'applaudis. Faites ça plus souvent dans le rap. Ouais, putain, ouais, faites ça, les gars. Faites ça, putain. Merde, quoi. L'union fait la force. On fait le classique. L'union fait le classique. Ah bah oui, frère. L'union fait le classique, poto. Eh oui, ah non, bon, dites-nous ce que vous avez pensé du son et de notre vidéo dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. C'est la première écoute de Grand Paris, Made in. Peace.